Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Salut Fab <laughs> Salut Kev, salut à tous Donc Fab, on est de retour avec une nouvelle variante que l'on va étudier dans notre répertoire de la française facile, cahier proton, Fab. Euh, et, et donc ça va être la variante d'échange, qui est une variante très jouée, hein, j'ai envie de dire, avec les blancs à, à, à bas niveau, mais même à haut niveau. Oui, oui, c'est très bon jouable. En fait, les blancs enlèvent la tension au centre et les éventuels problèmes pouvant découler de cette défense française, ils se disent, bon, bah, l'option est attaqué, je l'échange, je ne me prends pas la tête et je joue une position symétrique avec mon petit temps d'avance. Donc, puis on prend des 5, puis on prend des 5, c'est la position qui caractérise euh, cette variante d'échange de la française. Et ici, plusieurs options pour les Blancs. On va commencer par regarder, on va dire, la, la plus simple et la plus logique, en quelque sorte. Euh, Cavalier F3, donc l'idée des Blancs, ça va être de se développer euh, rapidement. Et sur quoi, Fab, on va jouer un, un jeu miroir Exactement. Bon, en fait, on va pas trop se casser la tête. On va copier ce que font les blancs, parce que c'est simple, c'est naturel, et c'est des bonnes cases pour les pièces. Donc, euh, on va faire f 6 A priori, ils vont faire fou des 3 pour se développer. On va mettre le fou en D6 sur sa meilleure diagonale. Disons petit rock, on fait petit rock. Alors, important, hein, droquet de, de jamais se prendre un tour un échec qui peut être gênant, hein, Fab. Ouais, C'est ouais, vraiment euh, très important. Là, le centre est ouvert, il faut roquer euh, vite. Hein. Euh, parfois, dans la française, position au centre fermé, on peut attendre un peu. Mais là, vous voyez, il n'y a pas eu le coup E5 des blancs. Et ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est une position ouverte, donc il faut vite évacuer ce roi du centre. Donc, petit rock, petit rock, Et ici, on va regarder en premier euh, fou G5 donc, pour venir clouer euh, le cavalier. Un coup logique. Hein. Euh, complètement, complètement. Mais on peut faire pareil, ça tombe bien. Donc Fou G4, on vient clouer euh, le cavalier blanc. Cavalier BD2, il vient le soutenir, ça lui libère la dame. Et on ne se casse pas la tête. Cavalier BD7. Voilà. Bon, en fait, notre plan, c'est de faire C6, dame C7 pour s'enlever du clouage. Et euh, tour 8, l'une ou l'autre, ça dépend, pour euh, lutter pour la colonne ouverte. Après, on verra comment on agence nos pièces selon ce qui va se passer. Mais ça, c'est le développement standard. D'ailleurs, si votre adversaire, vous avez fait Kali C3, on va dire, au lieu de Kali D2. Il aurait attaqué le pion D5, mais vous faites bien C6 de la même manière et votre cavalier en D7. Il est pas très bien placé ce cavalier en C3. C'est vraiment le, la mise en place idéale. Hein. On, peut, on peut mettre 2 trois coups, admettons ouais. un coup comme tour 1, on va mettre le cavalier B en D7. Disons qu'il joue dame 2, ils veulent se mettre sur la colonne, Ben pas de souci, on pourrait jouer déjà à tour 8 hein, qui serait bon, mais on peut mettre la dame en B6 ou en C7. On va la mettre en C7, c'est généralement la belle case. On menace déjà de prendre en H2. On veut mettre une tour en E8, prendre la colonne, et on voit que ce cavalier C3, il est complètement embourbé, Fabien, dans la structure de pion des Noirs. Complètement, et puis même la dame, elle a pas 50 cases, parce qu'elle vend D2, on va faire fou F3, et on va abîmer la structure, donc on serait, euh, bon, on serait beaucoup mieux. Quoi. Euh, voilà. bon, bien sûr, on n'a pas très bien fait jouer les Blancs, mais vous pouvez rencontrer ce genre de, de schéma chez vos adversaires. Donc on va revenir à la position après le, le fou G5 et, et le fou G4. J'espère que vous nous suivez bien. De toute façon, on mettra en description un petit lien avec tous les coups hein, que vous pourrez rejouer tranquillement euh, chez vous. Donc cavalier BD2, cavalier BD7. Ici, on a mis euh, le coup C3. Alors attention, s'ils font C4, de ne pas suivre euh, la, la symétrie. Non, en, oui, jouant non, moi, il faut arrêter, mais juste C6, ça devrait être normal. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver la symétrie si les blancs prennent, vous pourrez reprendre du pion. Et donc une nouvelle fois, ça continuera la symétrie, mais on regardera le coup c4 à un moment plus opportun, Exactement. un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc si les blancs continuent par c3 et qu'ils veulent faire la belle mise en place qu'on a vu, eh ben on va on va jouer c6 et dame c2, dame c7. Bah la même chose, voilà. Euh, bon, en général, là, il y a un combat pour la colonne E. à noter que si les blancs font H3, ça ne doit pas nous désarçonner, parce que quand on fait fou H5, on est content, on va revenir vers G6 et changer le bon fou adverse. Donc, euh, H3 est bienvenu. On n'a pas à l'empêcher ou à se poser trop de questions. S'ils veulent faire un coup comme G4 et un petit peu s'abîmer la position, bah tant mieux. On reviendra en G6 et on échange les fouilles. et on gagne un peu de contrôle de la case e4. Ça peut être une belle case pour un cavalier. Ça aussi, on en reparlera un petit peu, un petit peu plus tard de, de cette case e4. Et euh, juste à titre informatif, après Dame7, on vous a mis une partie entre deux grands maîtres classés quasiment 2700 Elo. Un des deux en tout cas. Et on vous la passe en rapide, on va revenir sur la théorie après. Mais euh, voilà comment on jouait. Ces, ces deux forts grands maîtres. Tour 1, tour 8, on s'est mis en face. Fou H4 pour venir échanger le fou. Bah, fou H5. Et vous allez le voir, ça continue à jouer symétrique pendant très longtemps. Euh, bon, là, on a cassé la symétrie, mais c'est pas grave de se doubler les pions de cette manière-là, puisque la structure est, est solide. Et surtout, on est dans un 3 contre 3. Donc personne pourra en tirer profit. Et euh, bah, tout s'était échangé hein, dans cette partie. Et ça s'était terminé par nul. Donc notre promesse de répertoire solide est euh, tenue, Fabien. Voilà. Alors on va revenir après. Euh, donc D5, puis on prend D5, puis on prend D5. Cavalier euh, euh, F3, cavalier F6, fou D3, fou D6, rock, rock. Sur un coup intéressant qui pourrait être le coup H3 ici. Avec l'idée d'empêcher fou G4 et de préparer fou G5. Donc pour avoir avec les blancs le, le clouage et ne pas le laisser au noir. Et là encore, on va pas s'embêter. H6. Bah voilà, on va pas leur laisser le fou venir en G5 et, euh, et donc on conserve cette symétrie. Alors on va pas jouer jusqu'au bout comme les blancs et par exemple sur un coup comme cavalier C3 ici, on va pas conseiller euh, le coup cavalier C6. Alors rien de problème ici si on voulait maintenir la, la symétrie jusqu'au bout, sinon les échecs seraient trop simples. Si on fait cavalier C6, les blancs leur idée serait de jouer cavalier B5 pour attaquer le fou et si celui-ci se recule en D2 de venir gagner la case F4 et de de gagner de, de, de l'espace hein, sur, sur les Noirs. Et si on voulait continuer jusqu'au bout la symétrie KB4, cavalier D6, cavalier D3, euh, cavalier prend F7, avec l'idée, si on prend F7, de prendre en D3, de gagner un pion. On se dit, oui, mais je prends F2. Euh, là, ça se finirait mal euh, pour les Noirs, à cause de cavalier prend H6, euh, échec. échec. Et on ne peut pas faire cavalier prend H3. Euh, Illégal. Donc c'est pour ça qu'attention à la symétrie... Euh... Oui, mais, mais pas trop. Mais pas trop, ouais. À consommer avec modération. <laughs> donc euh, <laughs> après h3, h6, euh, cavalier c3, qui était d'ailleurs notre répertoire facile avec les blancs. Euh, ici, il faut être prudent avec les noirs euh, et pas jouer c6 à cause de tour 1 et cavalier e5 qui gênerait. Voilà. Bon, après si vous faites c6, c'est pas la fin du monde, mais il y a une petite idée pour les blancs. Et donc le coup le plus précis qu'on va vous recommander, c'est tour e8. Euh, on va laisser les blancs faire cavalier 5 s'ils si en ont envie et on va retirer le fou en f8. Ça il sera bien caché. Et si les blancs veulent nous embêter à faire fou f4 pour attaquer c7, c'est leur plan. Il est très logique. Bon, on a cavalier a6 pour défendre le pion. Puis on fera c6 pour chasser ce cavalier. Et le cavalier a6 reviendra en jeu. Vers c7 et e6, donc un ordre de coup précis. Et à noter dans les ouvertures euh, que le, le fou en f8 sur sa case de départ est généralement bien placé une fois que la, que la tour est, 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 est passée. Voilà, bah elle n'est plus en H8 bloquée. Ouais. Et c'est exactement la même chose pour le fou de case blanche. Si la tour était en, en D8, par exemple, qu'on avait réussi à la faire passer, le fou en C8 ne serait pas mal placé. Les fous sont mal placés sur leur case de départ, surtout parce qu'ils bloquent leur tour. C'est le plus général, mais quand même important. Donc aujourd'hui, à plus haut niveau, lorsqu'on joue cette variante après euh, Fou D3, Fou D6, c'est avec l'idée, Fabien, de jouer ici Dame 2 échec, qui est le coup le, le plus dangereux théoriquement. Exactement. Donc l'idée des Blancs, c'est d'essayer de, de jouer une petite finale euh, un peu mieux. Mais euh, ça va aller. On va faire Dame 7. Donc les Blancs échangent. Et on va reprendre avec le Roi. Donc évidemment, on perd l'option de roquer. Mais comme dans une finale, enfin, qu'il n'y a plus les Dames, eh ben on sait que le Roi doit participer au jeu, doit être une pièce active donc c'est pas grave et on voudra faire ensuite tour E8 et se placer par là, alors disons que les blancs rock, on va faire cavalier C6 c'est le coup le plus précis ici euh, et disons qu'ils fassent tour 1 échec, ils veulent profiter de de ce roi et donc là dessus on jouerait à Fab fou E6 ou roi F8 les deux sont possibles ouais bon bah roi F8 ce qui n'est pas bête c'est que hum, on va sortir le fou de case blanche a priori et on ramènera la tour A8 en E8 donc euh, on ira carrément même en G4, par exemple, disons un coup comme C3, parce que attention, on menace qui est b 4 cest C'est-à-dire que là, le fou peut pas aller en F1 comme nous on voulait faire tout à l'heure, euh, couleur inversée. Enfin, il y a plus voilà, la dame qui ouais. protège C2. Donc disons C3, on fait fou G4, hop là, euh, bah, KBD de logique, et euh, tour 8. Et sur tour 8, 3.8, c'est la partie... Euh, bon, c'est bien pour les noirs. Ouais, et si vous voulez qu'on montre un autre coup, si vous vous intéressez ici, si les blancs ne font pas tour 1 échec. Après KC6, donc il y a quelques coups. Si bah vous vous souvenez, oui. on fait Dame 2 échec, Dame 7. Alors on va revenir carrément à Dame 2, t'as raison. On va revenir à Fou des 6, Dame 2, Dame 7, Dame, Dame prend E7, Roi, Roi prend E7. E7, Rock. Juste à noter au, au passage hein, que même si ce n'est pas le coup le plus précis théoriquement, juste faire Tour E8 et Roi F8 à un ah niveau, il... ça doit largement suffire. Mais tu ça qu'il est possible que j'ai ouais. joué comme ça moi-même. Hein, ouais, que... non, ça doit largement suffire. là on vous montre vraiment le, la variante la plus précise avec KC6, mais si vous faites juste. Tour, euh, tour 8, 3 F8, C6, euh, sortir le fou et KBD7. Euh, ça va le faire. C'est ouais. déjà très bien. ouais Mais donc, tu oui, cavalier C6, c'est pour pour voilà, un petit euh, peu de précision. Euh, disons C3 tout de suite. Pour euh, éviter l'histoire histoires de b 4 Et euh, c'est Nepo, comme il est joué au candidat précédent. Et il avait gagné cette partie avec les noirs. Il a fait H6, ça avait été toutes les histoires de euh, fou G5. Et comme ça, maintenant, sur tour 1, je pense qu'on peut faire fou 6 aussi sans craindre un g 5 ouais. Pour gagner que, la euh, paire de fous. Ouais. Donc ouais. voilà, il profite de l'ordre de coups. Alors, euh, Wangao n'avait pas fait tour 1, il a fait cavalier H4 pour peut-être venir vers F5, mais il s'est dit, c'est pas grave, je te fais tour 8, cavalier F5, j'échange mon fou, mon plus mauvais fou des deux. Prise, roi F8, fin du développement. On va pouvoir doubler les tours sur la colonne si on veut, ou, euh, ou se mettre en place, mais dans une structure comme ça, tout va tout va plutôt bien. C'est une ces position très symétrique où souvent euh, tout s'échange le long de la colonne, comme on l'a vu dans la toute première partie de, de grand Maître qu'on vous a montré. Donc quelles sont les autres options pour les blancs dans cette euh, variante euh, d'échange Donc après D5, puis on prend D5, puis on prend D5. Ils peuvent essayer un développement un petit peu malin, mais là encore, on va pouvoir euh, répondre par la symétrie. Ils peuvent jouer fou D3, fou D6. Alors ici sur Cavalier F3, Cavalier F6, ça transposerait dans ce que l'on vient de voir avec un ordre de coups différent, mais la position serait la même. Euh, les blancs peuvent tenter Cavalier 2 avec l'idée de se dire, ah ben j'ai mon mauvais fou, je vais venir en F4 pour l'échanger contre le fou D6 et rester avec euh, le bon fou D3. Contre le mauvais fou. Alors pourquoi le fou D3 est un bon fou Parce que le, il est sur case blanche et que le pion euh, central D4 est sur case noire. Donc il fait un, un, un genre de, de double emploi. Il contrôle les cases. Mais donc là, on va pas s'embêter, Fab. Bon, on va faire pareil. On va faire cavalier E7. On va leur dire oui, si tu veux, fais ton fou F4. Mais nous, on fera fou F5. Donc ils ont rock-rock d'abord. Fou F4, mais fou F5. Ça recommence dans la symétrie en gros. Et euh, les quatre fous pourraient disparaître de l'échiquier assez facilement. Disons que les G3 provoque l'échange, prise, dame prend. On va faire des 7 tour 8. Bon. Égal quoi. Toujours, euh, toujours le même esprit. Euh, donc on voit que c'est un répertoire aussi assez simple, hein, euh, Avec Fab. Les qui est pas super ambitieux, on va pas se, se mentir avec euh, avec les, les noirs, mais qui a le, le mérite euh, de faire le, le boulot. Exactement, mais celui-ci, la photo Au aux Blancs, blancs en fait. qui font le prendre. Enfin, oui. À un moment, on va pas non plus prendre tous les risques à leur place. Euh, enfin, dernière version euh, pour du coup que les blancs cassent eux-mêmes la symétrie, c'est le coup C4, avec l'intention de jouer un pion isolé. Euh, alors la règle qu'on va se donner, c'est qu'on va pas prendre en C4 tant que le fou n'a pas bougé. Donc on va jouer cavalier F6 pour le moment. On craint pas une prise. On pourrait reprendre ah bah oui. euh, du cavalier ou même de la dame. Ouais, prendre du cavalier, je pense que très très bien placé. Mais peut-être même la dame, ça peut le faire. Hein. Euh, disons qu'Aïe C3, c'est quand même logique qu'il se développe. Et on va clouer ce cavalier. Comme ça, on se développe, on est tranquille. Disons que les blancs fassent cavalier F3, bon, on va faire petit rock. Puis à un moment, ils vont le sortir sous F1. S'ils le font pas, c'est nous qui allons faire tour 8 et leur poser des gros problèmes sur la colonne. Donc disons fou des 3 Et donc on suit la règle. On va faire, puis on prend C4 une fois que ce fou a bougé. Comme ça. Il reprend C4 en deux temps. Il y a les deux F1 en D3 puis en C4 au lieu de prendre en une fois. Et donc, on aura la même position avec un temps de plus qui serait pas mal pour les Blancs si on avait craqué avant. Du coup, on va maintenant essayer d'attaquer ce pion D4. On fait fou G4. Donc, on va clouer le cavalier F3 qui est un des défenseurs du pion. Alors là, on ne met pas forcément l'échec parce qu'il serait couvert par, par le fou en E3 avec cette tour en F8. Elle est pas si mal placée parce qu'elle défend le, le pion F7. On voit que quand la tour part, un coup comme dame B3 pourrait devenir gênant. Qui attaquerait ouais. le fou ou le pion, voire même fou prend f7 pour attirer le roi en f7 si on n'a plus la tour, suivi d'un dame b3 échec, qui sont des idées tactiques qui rôderaient. Donc c'est un peu une exception, parce que globalement, tour si 8, vous avez un tour euh, 8 échec, c'est bien. Ça là, se regarde vrai. bien quand même. Ouais. Euh, donc là, fou g4 serait le plus précis, donc comme tu le disais, pour mettre la pression sur le pion central. Disons petit roc, il faut bien évacuer euh, le roi, et cavalier c6, donc, qui va euh, commencer à menacer euh, le gain du pion d4. Exactement. Alors. Euh on ne le fait pas le coup d'avant, hein, parce qu'on pourrait se dire Tiens, je fais fou pour F3, si prend F3. S'il prend la dame, je prends D4. S'il si prend du pion, il est une structure. structures. Problème, c'est que sur dame prend, dame prend D4. Il va pouvoir se venger ensuite sur B7. Donc, c'est pour ça que le c 6 est bien placé à double titre. Il coupe cette diagonale et il attaque D4. Donc, euh, petit rock, cavalier C6. Donc, on vient mettre la pression sur le pion D4. Fou E3. Pour euh, le protéger, une nouvelle fois, un surprise prise. cavalier prend d4. Il va y avoir le pion b7 en qui, prise. qui va traîner. Et donc ici, il euh, y a plusieurs coups possibles. On vous a mis Dame d6 parce que c'est un coup logique de développement. On veut vous apprendre aussi à avoir les bons réflexes. À noter que théoriquement ici, le coup de tour b8 est intéressant aussi. C'est un coup On que j'aime bien. Protéger ouais. le pion et, et, et essayer de prendre en force d4. Non, parce qu'en fait, j'aime bien parce que B8 t'as l'air complètement absurde la première fois que tu vois le coup. Et ça m'avait marqué. Je l'avais vu il y a déjà. Euh... 20 ans ou 15-20 ans quoi. Et je me suis dit waouh, c'est sympa. Mais euh, objectivement, on va pas vous faire jouer des coups comme ça. On va vous faire jouer dame D6, qui est pas mal. Pourquoi dame D6 ben, On veut lier nos tours pour les ramener au centre. Et notamment on tour D8 et attaquer le pion D4. En plus, dame D6, on va empêcher des e 5 à venir. Alors pour l'instant, bien sûr il y a le cloage, mais on tient cette case bien comme il faut. Et à noter que les B5 qui attaque la dame, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. À ce moment-là, on va reculer la dame et Sky B5, on pourra l'attaquer quand on veut. Il va repartir en C3. Et pendant que nous, on aura fait Dame D7 gratuit. Lui, le Raphaël elle a les retours. Ouais. Quoi. Donc, euh, KB5, c'est rien. Et euh, donc, dame D6, logique. on va vous montrer une partie que Murtas a jouée avec les Noirs. Donc, on lui a joué à H3 pour euh, toucher le fou. Fou H5. A3 touche l'autre fou. Fou A5. On ne s'embête pas. Et euh, juste pour dire, en plus, on est content de Fou A5. Parce qu'il va revenir vers B6 et encore plus taper sur D4. Ouais. Donc la tour en C1 qui se place sur une colonne ouverte. Tour euh, AD8. Tour AD8. On va se mettre sur la bonne case. Euh, fou E2 pour euh, déclouer euh, le cavalier. Et Fou B6. Et on voit que toutes les pièces noires sont en train de s'organiser pour taper sur la faiblesse blanche. Et les blancs n'ont pas spécialement d'activité. Il suffit de regarder les pièces. Elles ne sont pas, euh, pas placées de manière agressive. On va passer la partie rapidement. Il y avait eu Dame B3, Tour E8, Tour D1, A6. Toujours un, un petit coup prophylactique sympa. Tour D2, Fou G6 le fou qui se replace h6 on chasse le fou G5 et il a gagné par hein. prendre le pion D4 son adversaire un petit peu un petit peu craqué mais la position n'était pas facile à jouer et on peut s'arrêter là après C5 on voit que, que les noirs ont, ont une belle position fab et notamment avec des coups comme dame F4 aussi hein, qui peuvent arriver sur g 3 dame prend G3 qui peut exister. ça peut tomber après, ouais. après euh, il faut, il faut euh... calculer voilà, bah on a fait le tour. C'est donc avec C4, vous ne l'aurez pas souvent, mais c'est bien de savoir comment réagir. Parce que c'est une manière agressive pour les blancs de, de jouer. Et enfin, dernier petit détail euh, si votre adversaire ne joue pas des 4 au deuxième coup, E4 aussi, c'est qu'il fait cavalier F3, vous faites donc quand même d 5, logique. Il y a de bonnes chances que ça transpose dans la première variante qu'on regardait, puisque, bah, ils vont peut-être prendre. Là, il y a deux transpositions sur E5, C5, D4. Si on prend des 4, voilà. ça retombe dans ce qu'on a vu dans la variante d'avance. Et eux e prend D, et ben vous en faites prend D. Et a priori ils vont faire des cadres pour prendre le centre. S'ils le prennent pas, bah tant mieux. Hein. Euh, et cavalier F6. Et, et voilà. Donc faut pas se laisser avoir par les ordres de coups Mais en tout cas, maintenant vous savez tout. Vous avez une position euh, très solide, très robuste. Et puis on va vous souhaiter bonne chance euh, quand vos vous l'aurez dans vos parties. Voilà. Merci à tous. Bon jeu dans la française. Ciao ciao.